Surface numéro 32, cap fini, et du numéro 16, la bonne tient dans 1 minute 29.
son adversaire anonyme de pénalité au joueur numéro 2 du HC Davos et Kerry Lorenz, temps 6 minutes 12. Davos problem. On fait trébucher son adversaire de l'île de l'humanité au joueur numéro 27 du Fribourg-Gottéron Young Dragons, Rochard Lorrain, temps 9 minutes 04. Thank you.
premier but pour le chef de Fribourg-Gottéron, Young Dragons, a été inscrit par son numéro 4 par un temps de surface numéro 29, Gauss Rookie à 9 minutes 57. Davos
Les joueurs restent une minute dans le premier tiers. Le deuxième but pour le HC Davos a été inscrit au sud de l'équipe numérique par son numéro 15, Abbonati Gianmarco, sur passe numéro 17, Banzer Gianluca, temps 19 minutes 45.
Le deuxième groupe pour le lancer Fribourg-Gottéron et Ambri-Piotta a été inscrit par son numéro 29, Carlo Luca, temps 27 minutes 12. Pour Charles Chancoré, 2 minutes de pénalité au jour du 16 du Fribourg-Gottéron Young Dragons, Palmisano Matteo, temps 28 minutes 25. Et pour conclure, thank you.
Le troisième tour de la chez Davos a été inscrit en power sur le numéro 22. Fieri Rico surpasse le numéro 4 par un Valentino au numéro 15. Abraham Gianmarco tente 38 minutes 09. Pour Crossroad, 2 minutes de pénalité au jeu numéro 12 du HC Davos, Stichardin, Daniel, temps 32 minutes 53. Davos complet.
Le troisième ligne pour le match du Fribourg-Gottéron Young Dragons a été inscrit par le numéro 27, Rochard Lord, sur place le numéro 13, Schmitter Alex, temps 38 minutes 49.
Pour cross-check, 2 minutes de pénalité au joueur numéro 23 du Fribourg-Gottéron, Young Dragons, Martin Thibault. Et pour dureté excessive, 2 minutes de pénalité au joueur numéro 9 du HC Davos, Stern, Zakaria, Paris 44. Les deux équipes au complet.
prospection 2 minutes de pénalité, je rappelle 17, HC Davos, Alzheimer, Jean-Luc, temps 58 minutes 30. Davos Corner. Thank you.
quatrième ligne pour le Fribourg-Gottéron Young Dragon, ça a été inscrit par son numéro 24, des Robin sur passe numéro 20, Michel Rémy, et du numéro 16, Palmisano Matteo, 53 minutes 45.
Arbitre et jaune, 2 minutes avant la fin du temps réglementaire. Le quatrième but pour le HC Davos a été inscrit par son numéro 11, Crédit Mino, sur base numéro 31, Winner Titan, 59 minutes 35.
cinquième lune pour le HC Davos a été inscrit par son numéro 10, Cortel Connor, sur base du numéro 15, Amrav Gianmarco. Temps 60 minutes 51.